Shalom, shalom, soyez bénis. Vous êtes en direct sur votre chaîne chrétienne Réveil TV, bien sûr sur votre émission Réveillez-vous. Alors très heureux, n'est-ce pas, de vous savoir nombreux, aussi nombreux, n'est-ce pas, devant vos écrans, ben voilà, pour écouter, n'est-ce pas, la sainte doctrine, pour écouter, n'est-ce pas, le Seigneur nous parler, bien sûr au travers d'un homme, mais le Seigneur utilise aussi, n'est-ce pas, des vases que nous sommes, n'est-ce pas, pour interpeller, pour parler au cœur de ses enfants. Donc vraiment, soyez bénis. Ce soir, n'est-ce pas, nous allons partager sur la sensibilité face aux interpellations du Seigneur. Vous savez, nous sommes arrivés dans un temps, n'est-ce pas, dans un temps où beaucoup ont du mal à comprendre, sinon à savoir que le Seigneur parle encore. Les gens sont tellement confus, les gens se posent des questions, mais comment le Seigneur parle? Est-ce que le Seigneur parle encore? Mais si le Seigneur a parlé, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Pourquoi je n'ai pas pris la peine, n'est-ce pas, de saisir la pensée du Seigneur? Vous voyez, beaucoup sont, n'est-ce pas, dans la confusion. Je crois que les Écritures, n'est-ce pas, vont nous aider ce soir pour comprendre, n'est-ce pas, que le Seigneur nous parle. Mais parfois, c'est nous qui manquons de sagesse, c'est nous qui manquons, n'est-ce pas, de discernement. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, nous allons présenter ces moments entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur soit au contrôle, que la chair s'éteise et que l'Esprit de Yahweh soit au contrôle, prenne le contrôle, n'est-ce pas, de ces temps. Adonai, merci. Papa, nous te bénissons. Seigneur, guide-nous tout au long de cette émission. Papa, bénis ces personnes, n'est-ce pas, qui sont en direct et qui suivent, Père, cette émission. Père, nous prions, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas les distraire. Papa, que tout voile soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, soyez bénis et encouragés. Nous allons prendre nos Bibles dans Job, chapitre 33, verset 14. C'est un passage que beaucoup d'entre nous maîtrisent, que nous connaissons, mais un passage qui en dit vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Un passage, n'est-ce pas, qui nous parle de certaines choses, certaines réalités que nous avons du mal, n'est-ce pas, à saisir. Vous voyez? Voilà. Dans Job 33, verset 14, vous voyez, les frères de la régie, n'est-ce pas, vont vous afficher le verset en direct. Voilà, la Bible dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on le remarque, et on ne le remarque pas. » Vous voyez, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous ne le remarquons pas. Il parle par des rêves et par des visions nocturnes. Quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Voyez un peu. Et ensuite, il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Voyez un peu. Donc, la Bible nous dit que Yahweh, n'est-ce pas, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Mais l'homme n'y prend point, n'est-ce pas, garde. Ça veut dire que l'homme, n'est-ce pas, parfois ne sait pas discerner, ne sait pas lire, voyez un peu, le langage du Seigneur, les interpellations du Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur parle, voyez, les gens ont du mal à saisir, à comprendre, n'est-ce pas, que c'est Dieu, que c'est Elohim qui est en train de les avertir, n'est-ce pas, par rapport à une situation, par rapport à un danger, n'est-ce pas, où il veut les conduire, n'est-ce pas, par rapport à une promesse, à quelque chose qu'il veut réaliser, n'est-ce pas, dans leur vie. Mais les gens ont du mal, n'est-ce pas, à comprendre, à détecter, ou sinon, n'est-ce pas, à saisir le langage, n'est-ce pas, des gens. Voilà pourquoi le diable se sert de cette ignorance, le diable se sert de cette incapacité pour mettre en nous davantage, n'est-ce pas, un esprit de culpabilité. Vous voyez, Dieu parle, Dieu avertit. Vous voyez un peu? Dieu prend la peine, n'est-ce pas, de nous avertir. Parce qu'autour de nous, n'est-ce pas, comme nous allons le lire, n'est-ce pas, tout à l'heure, il peut y avoir des complots, des manigances, n'est-ce pas, des gens, n'est-ce pas, qui veulent nous faire du mal, des gens qui veulent porter atteinte à notre vie. Mais Dieu peut nous interpeller, Dieu peut nous avertir, Dieu peut nous demander, n'est-ce pas, de faire attention, Dieu peut nous donner, n'est-ce pas, quelques signaux, mais nous, on a du mal, n'est-ce pas, à lire ou sinon à discerner, voyez, le langage du Seigneur. Regardons Genèse chapitre 40, à partir du verset 1er. Genèse 40. Vous voyez, parfois Dieu parle aussi par des symboles. Vous voyez, regardons. Dans Genèse chapitre 40, verset 1er. Voilà, la Bible dit, après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Oui, la suite. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé.
Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, regardons bien, pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Donc ils vont avoir un songe, vous voyez un peu ? Chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et il lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressais dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Ouais. Joseph lui dit, en voici l'explication. Vous avez regardé, Joseph va décortiquer, n'est-ce pas, le langage de Dieu, l'explication, le message qu'il y avait derrière ce songe. Les trois sarments sont trois jours. Vous voyez un peu, Joseph va saisir, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Vous voyez, donc Dieu a parlé, n'est-ce pas, à ces deux personnes qui étaient en prison. Le Seigneur leur a donné un songe. Mais ces songes-là, n'est-ce pas, il y avait un message qui était caché derrière. Mais Joseph, n'est-ce pas, lui, il avait la sagesse de pouvoir lire, de pouvoir discerner ou comprendre, n'est-ce pas, le langage de Dieu qui pouvait se cacher derrière les songes. Mais eux, ils n'avaient pas cette capacité. Vous voyez, encore trois jours et Pharaon relèvera, n'est-ce pas, la tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication, les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessous de toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Vous voyez, voici, n'est-ce pas, deux personnes qui vont avoir des songes distincts, n'est-ce pas, et ils n'arrivent pas à comprendre. La Bible dit, que nous avons lu, que Dieu, Yahweh, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même dans les songes nocturnes, dans les visions nocturnes, le Seigneur nous parle, voyez un peu, afin de nous éviter des dangers ou de nous prévenir, n'est-ce pas, des dangers qui nous guettent. Voici deux personnes, n'est-ce pas, que le Seigneur avait de communiquer, n'est-ce pas, des songes. Et ces songes-là, n'est-ce pas, il y avait tout un langage du Seigneur. Mais ils n'avaient pas la sagesse, ils n'avaient pas la capacité de pouvoir saisir le langage du Seigneur. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont tourmentées, n'est-ce pas, se font des victimes, se retrouvent, n'est-ce pas, victimes, n'est-ce pas, des manigances ou encore des manipulations de beaucoup de pasteurs, de beaucoup d'hommes de Dieu. Pourquoi? Mais c'est parce que les gens ont du mal, n'est-ce pas, à lire, à discerner, n'est-ce pas, le langage de Dieu. Les gens ne sont plus sensibles. Les gens sont tellement préoccupés, voyez un peu, les gens sont tellement, n'est-ce pas, attachés à des choses éphémères, à des choses vaines, n'est-ce pas, qu'elles oublient, frère, l'essentiel. Les personnes oublient l'essentiel, voyez un peu, et c'est ce qui fait que nous sommes tellement, n'est-ce pas, éloignés de Dieu, et si nous sommes éloignés de Dieu, frère, on ne peut pas cerner le langage de Dieu, parce que le langage de Dieu, n'est-ce pas, est pour les intimes. On ne peut comprendre, n'est-ce pas, le langage du Seigneur que celui qui est intime à Yahweh. Vous savez, une femme
même de loin, reconnaît la voix de son époux, reconnaît la voix de son mari. Et Jésus, n'est-ce pas, veut faire de nous, n'est-ce pas, des intimes. Il veut que nous soyons intimes, n'est-ce pas, en lui, intimes à sa personne, intimes à notre Créateur, intimes à notre Père. Mais beaucoup, n'est-ce pas, n'ont plus de temps accordé au Seigneur, n'est-ce pas. Beaucoup trouvent du temps à aller dans des réunions de répétition de chantres, aller dans des réunions, n'est-ce pas, de combat spirituel, aller dans des réunions, vous voyez un peu, aller parfois dans des bistrots, aller dans des boulangeries, prendre un peu de pâtisserie. Mais non, mais ce n'est pas mauvais, vous voyez un peu. Mais la Bible dit, là où est ton trésor, n'est-ce pas, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, quelle est la chose qui occupe principalement, n'est-ce pas, notre cœur? Vous voyez un peu, qu'est-ce qui règne en réalité, n'est-ce pas, dans nos vies? Est-ce que Dieu, n'est-ce pas, nous le prenons en considération que lorsque nous sommes en difficulté, ou bien lorsque nous avons besoin, n'est-ce pas, qu'il intervienne en notre faveur? Vous voyez un peu, si on veut fonctionner comme ça avec le Seigneur, frère, on ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas porter un fruit conséquent. Voyez un peu, le Seigneur veut faire de nous des intimes. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il nous appelle à prendre du temps, n'est-ce pas, dans la méditation de sa parole. Et ensuite, n'est-ce pas, développer un esprit de communion. Ça veut dire, lorsque nous méditons la parole, si nous ne comprenons pas, prenons la peine d'interroger le Seigneur, parce que Dieu parle, on a vu. Dieu parle par les songes. Voyez un peu, Dieu nous interpelle. Regardons Actes chapitre 20, n'est-ce pas, à partir du verset 22. Actes chapitre 20, à partir du verset 22. Voilà, nous allons regarder, n'est-ce pas, ce que la parole de Yahweh nous dit. Voilà, la Bible dit, regardez, Actes chapitre 20, ça c'est Paul dit, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Ouais, donc il ne savait pas ce qui allait se passer. Regardez, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Donc Paul était averti par l'Esprit Saint qu'il y avait des dangers, n'est-ce pas, qui le guettait, qui l'attendait. Vous voyez? Donc Dieu prend la peine, n'est-ce pas, d'interpeller ses enfants, de parler à ses enfants. Vous voyez un peu? De nous avertir, n'est-ce pas, par rapport à cet danger, n'est-ce pas, qui nous entoure, cet danger qui nous guette. Vous voyez? Regardons Matthieu chapitre 2 à partir du verset 13. Évangile de Matthieu chapitre 2. Voilà, à partir du verset 13. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, la Bible dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Voyez un peu, l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, va apparaître dans un songe à qui? À Joseph. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y. Voyez un peu, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Donc, il y avait un complot, voyez un peu, qui était préparé, fomenté, n'est-ce pas, contre le petit, contre Jésus, voyez un peu. Et Dieu va divinement, n'est-ce pas, avertir à Joseph, n'est-ce pas, dans un songe. Et Joseph, n'est-ce pas, comme il avait l'Esprit de Dieu, comme c'était quelqu'un qui était intime, n'est-ce pas, de son Créateur, il va comprendre, n'est-ce pas, que c'était Dieu, n'est-ce pas, qui l'avertissait face à un danger qui les guettait et qui guettait aussi, n'est-ce pas, l'enfant. Est-ce un peu? Et la Bible dit que Joseph, n'est-ce pas, va se lever. Nous allons lire la suite, verset 14. Vous voyez? Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Vous voyez un peu? Donc Joseph va discerner le langage de Dieu, il va comprendre l'interpellation du Seigneur, n'est-ce pas? Et il va automatiquement obéir. Parce qu'il a su, n'est-ce pas, faire la lecture, n'est-ce pas, du songe. Il a compris, n'est-ce pas, le message que l'ange est venu communiquer à Joseph, n'est-ce pas, dans le songe. Il a compris le langage de Dieu. Mes frères, si nous ne pouvons pas comprendre le langage du Seigneur, mais comment est-ce que, n'est-ce pas, nous allons nous échapper des certains dangers qui nous guettent? Ouais, parce qu'autour de nous, n'est-ce pas, frère, il peut y avoir des conspirations, il peut y avoir des complots, n'est-ce pas, qui se liguent contre nous. Mais si Dieu ne prend pas la peine de nous avertir, mais qui nous avertira? Qui nous, n'est-ce pas, qui va nous interpeller afin, n'est-ce pas, que nous sachions, n'est-ce pas, qu'autour de nous, il y a des choses qui ne vont pas, mais quelle attitude il faut avoir? Vous voyez un peu? Ce serait très difficile. Beaucoup sont aujourd'hui, n'est-ce pas, victimes de certains complots ou de certaines manigances, n'est-ce pas? Ben, mais pourquoi? Mais c'est parce que, bon, les gens sont déconnectés de Dieu.
Beaucoup ont plus développé, n'est-ce pas, une intimité avec les hommes qu'avec Dieu. Beaucoup prennent beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, à aller se confier, n'est-ce pas, aux hommes, mais plutôt, n'est-ce pas, qu'à leur créateur. Vois un peu? Et ça fait de nous aujourd'hui, n'est-ce pas, des victimes de ce monde que nous sommes. Nous sommes vraiment des victimes. Vois un peu? Alors que Dieu, n'est-ce pas, a autre chose pour nous. Dieu veut nous proposer autre chose, mais nous ne voulons pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde-là, n'est-ce pas, nous enseigne beaucoup d'autres choses. Vois un peu? Regardons Néhémie chapitre 4, à partir du verset 10 au verset 15. Ouais, Néhémie. Voilà, nous allons lire Néhémie. Voilà, chapitre 4. Voilà. Vraiment que la parole du Seigneur, n'est-ce pas, ce soir, nous aide à saisir, n'est-ce pas, le langage de Dieu, le langage du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur, n'est-ce pas, veut que nous soyons sensibles. La Bible dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Regardez bien. Néhémie chapitre 4. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous le monceau de poussière et consumées par le feu? Voyez, Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Voyez, il se moquait d'eux, n'est-ce pas? Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Allons au verset 10. Allons au verset 10. Voilà. Verset 10, la Bible dit, cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Verset 11, voilà. Nos ennemis disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons. Et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Donc, leur but, c'était quoi? C'était de rentrer au milieu d'eux, n'est-ce pas, et de les tuer pour les empêcher, afin de les empêcher, n'est-ce pas, d'accomplir, n'est-ce pas, ce pourquoi le Seigneur la mission que le Seigneur leur avait confiée. Vous voyez un peu? Ils disent, et nos ennemis, voilà, les ennemis disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons. Et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Vous voyez, donc il fomentait un plan. Verset 12. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir. Vous voyez un peu? Donc, Dieu a permis à ce que les gens écoutent le plan, n'est-ce pas, que les gens avaient contre, n'est-ce pas, contre Néhémie et l'équipe qui rebâtissait le temple ou encore la muraille. Et ces gens-là, n'est-ce pas, 10 fois sont venus avertir, ont averti Néhémie, n'est-ce pas, du complot qui s'est passé, n'est-ce pas, contre eux, le complot qui s'est préparé contre eux, frères. Tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Ouais, donc 10 fois, donc 10 complots, et 10 fois Dieu a permis à ce que l'ennemi soit informé. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, n'est-ce pas, derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple part par famille, tous ceux avec leur épée, leur lance et leur arc. Donc Néhémie, n'est-ce pas, il y avait un complot contre eux, n'est-ce pas, et 10 fois ils ont été, n'est-ce pas, avertis par les voix humaines. Donc Dieu peut nous avertir, n'est-ce pas, par des hommes. Vous voyez? Comme tout à l'heure, là, nous avons lu par Néhémie qui a été interpellé, n'est-ce pas, par des hommes. Voyez un peu, les gens voulaient, n'est-ce pas, porter atteinte à la vie de Néhémie. Voyez un peu, et Dieu va permettre à ce que les Juifs entendent, n'est-ce pas, le complot, n'est-ce pas, qui s'est préparé contre Néhémie. Et ceux-là vont venir, n'est-ce pas, avertir Néhémie. Ils vont venir interpeller Néhémie, n'est-ce pas, et l'équipe qui travaillait. Vous voyez? Donc Dieu parle. Dieu est capable, n'est-ce pas, de nous révéler, n'est-ce pas, les secrets, n'est-ce pas, du monde des ténèbres, des choses des conspirations qui se placent ou qui se font contre nous. Le Seigneur peut nous les révéler, mais est-ce que nous sommes capables, n'est-ce pas, de discerner le langage de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, la Bible dit, les gens seront ennemis des gens de bien. Aujourd'hui, ceux qui disent la vérité, qui parlent de la part de Dieu, ben, on a du mal à les faire confiance. On a du mal, on ne les croit plus.
Parce qu'on vit dans un monde, n'est-ce pas, où les gens sont tellement pollués par des fausses doctrines, sont tellement pollués par des faux enseignements, que quand la doctrine véritable du Seigneur arrive, quand l'interpellation véritable du Seigneur arrive, les gens, n'est-ce pas, ont le cœur fermé. Parce que pourquoi? Parce que c'est un langage, n'est-ce pas, qui ne leur est pas familier. C'est un langage, n'est-ce pas, étrange. Tu vois un peu, c'est quelque chose qu'ils ne sont plus habitués, qu'ils ne sont pas habitués à écouter. Parce qu'ils sont habitués, n'est-ce pas, qu'on leur enseigne quoi? Qu'on leur enseigne, n'est-ce pas, du mysticisme, vois un peu, de la magie, de la sorcellerie, de l'envoûtement, vois un peu. Les gens sont tellement, n'est-ce pas, accro à ces choses que quand, n'est-ce pas, là, Dieu arrive, n'est-ce pas, Yahweh arrive, n'est-ce pas, et nous interpelle, au moins de sa parole, on a du mal à comprendre, vois un peu, parce qu'il y a déjà un voile qui nous empêche de pouvoir saisir l'interpellation du Seigneur. Ouais, les gens ne sont plus sensibles, vois un peu. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus à discerner ou sinon à décortiquer ou à comprendre quand le Seigneur nous interpelle. Vous voyez, Néhémie, n'est-ce pas, avait été informé, vous voyez un peu, par des voix des hommes, par des voix humaines, dont Dieu peut utiliser des hommes pour nous avertir. Ouais, je me rappelle un frère qui était dans une province, n'est-ce pas, bien sûr, de ce pays, et les soirs, n'est-ce pas, après les cours, voyez un peu, ou après les activités, n'est-ce pas, qu'il entreprenait, voyez, il faisait des porte à porte, il annonçait Jésus, il prêchait l'évangile, et une nuit, n'est-ce pas, pendant qu'il dormait, alors il a vu en songe, n'est-ce pas, comment il était attaché, n'est-ce pas, à un arbre au milieu, n'est-ce pas, du village, et on le frappait, et pendant qu'on le frappait, n'est-ce pas, les gens de ce village disaient, mais toi, qui t'a donné l'autorisation de venir parler de ce Jésus-là ici? Nous ne voulons pas entendre parler de lui ici, parce que c'est nous qui régnons. Ou un peu, donc il avait été victime, n'est-ce pas, d'une attaque spirituelle. Et la nuit, il voyait cela dans un songe. Et le matin, quand il se réveille, tout le corps faisait mal, il avait mal au corps. Alors il a pris une douche, voyez un peu, pour se rendre au cours. Et pendant qu'il marchait pour aller au cours, alors une petite fille de 6 ans, 5 ans dit, mais oh, tonton, mais et elle interpelle sa mère en disant, maman, mais voici le tonton qu'on a tapé la nuit sous l'arbre qui était attaché là. Voyez un peu, donc la petite là, l'enfant est venu révéler, n'est-ce pas, ce qui s'était passé dans le monde spirituel. Voyez un peu. Et le frère a compris que spirituellement, n'est-ce pas, il avait été victime, n'est-ce pas, d'une attaque nocturne. Vous voyez, c'était dans le monde spirituel que ça s'est passé, mais l'enfant est venu, n'est-ce pas, l'enfant, par son innocence, a révélé, n'est-ce pas, ce qui, n'est-ce pas, s'était passé dans la nuit. Vous voyez? Donc, frère, le monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, il y a des réalités parfois que nous ne comprenons pas. On peut être victime, n'est-ce pas, de certaines situations dont nous avons du mal à pouvoir comprendre. Vous voyez un peu? Mais si nous sommes déconnectés de Dieu, frère, nous allons davantage, n'est-ce pas, croupir dans l'échec, croupir, n'est-ce pas, dans les difficultés, croupir, n'est-ce pas, dans des interrogations, n'est-ce pas, qui ne vont jamais avoir des réponses. Vous voyez? Parce qu'autour de nous, ou sinon à nos côtés, n'est-ce pas, il y a un monde spirituel, frère, qui est bien réel et qui travaille. Vous voyez un peu? La Bible nous dit, n'est-ce pas, qu'il y avait des gens qui voulaient empêcher Néhémie d'achever leur ouvrage, achever leur mission. Vous voyez un peu? Et derrière ces gens-là, n'est-ce pas, il y avait des esprits qui les conduisaient. Donc les Tobija, les Sambala étaient animés, n'est-ce pas, par un esprit de méchanceté. Vous voyez un peu? Voilà. Donc le combat était spirituel. Mais les Néhémies savaient qu'en fait, humainement parlant, ils ne pouvaient pas, n'est-ce pas, répondre à cette attaque-là. Mais ils se sont appuyés, n'est-ce pas, sur qui? Sur Dieu. Et Dieu leur a révélé, n'est-ce pas, le plan, n'est-ce pas, que ces gens-là, n'est-ce pas, préparaient contre eux. Donc, frère, il y a des conspirations, il y a des complots, n'est-ce pas, qui peuvent, n'est-ce pas, se passer, ou bien il y a des choses qui peuvent se préparer, n'est-ce pas, contre les enfants du Seigneur, frère. Mais Dieu est capable, n'est-ce pas, de pouvoir nous révéler certaines choses, ouais, un peu. Mais est-ce que sommes-nous capables de pouvoir discerner le langage du Seigneur quand le Seigneur nous parle? Est-ce que nous avons cette sensibilité-là de comprendre, n'est-ce pas, de comprendre que, ah, ça c'est le Seigneur, n'est-ce pas, qui m'avertit et qui veut m'empêcher, n'est-ce pas, de ne pas faire telle ou telle chose? La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Le Seigneur nous parle par des songes, par des visions nocturnes, voyez un peu, mais on est tellement, n'est-ce pas, tellement préoccupés, nous sommes tellement saturés, on est tellement déconnectés de Dieu, mais que nous n'arrivons plus, n'est-ce pas, à cerner ou sinon à comprendre quand le Seigneur nous parle. Vous voyez, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème, Dieu parle. Vous voyez? S'il est Dieu, c'est qu'il est capable, n'est-ce pas, de nous parler. S'il est Dieu, c'est qu'il est capable de nous révéler, n'est-ce pas, les plans du diable. On a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, dans Actes 20, la Bible dit quoi? Que l'Esprit de Dieu avertissait à Paul. Vous voyez un peu, donc l'Esprit, n'est-ce pas, donnait des avertissements à Paul. Que des villes en ville, n'est-ce pas, il y a des liens qui t'attendent. Donc Paul, n'est-ce pas, était victime de quoi? Ben, des conspirations, il y avait des complots autour de lui. Regardons Actes 23, à partir du verset 22. Actes des apôtres. Chapitre 23, à partir du verset 22.
Voilà. La Bible dit. Non, on va lire plutôt à partir du verset 15. Acte 23, à partir du verset 15. Voilà. Non, même verset 12, hein, excusez-moi. Verset 12. Pour avoir, n'est-ce pas, le contexte exact et saisir un peu la pensée du Seigneur. Et la Bible dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot. Regardez bien. Les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Donc, les Juifs vont gêner et ils vont faire des imprécations, n'est-ce pas? Parce qu'ils voulaient que Paul meure. Mais pendant que ce complot, n'est-ce pas, était en train d'être préparé, mais Paul n'était au courant de rien. Il ne savait rien. Paul, certainement, il priait. Ou Paul, n'est-ce pas, prêchait l'évangile afin que les âmes viennent à Jésus. Vous voyez un peu? Mais pendant que Paul, lui, il se débattait, n'est-ce pas, il se consacrait à servir le Seigneur. La Bible dit que les gens complotaient, n'est-ce pas, et cherchaient à le faire mourir. Ils sont même rentrés dans un jeûne, frère. Voyez, c'est puissant, c'est fort, c'est ce que la Bible dit. Voyez un peu, voyez le degré de méchanceté. Voyez, on vit dans un monde où, frère, il y a tellement, n'est-ce pas, le diable va utiliser des moyens pour nous atteindre, pour nous déstabiliser, pour nous tuer. Mais frère, si nous ne pouvons pas, nous sommes incapables de pouvoir lire le langage du Seigneur, mais comment pouvons-nous échapper? Comment allons-nous échapper? Ce serait difficile. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. La Bible dit, c'était plus de 40 personnes, voyez un peu, qui ont fait des imprécations et qui ont pris du temps dans le jeûne. Voyez? Voilà, comme pour dire aussi que mais les gens aussi peuvent se retrouver pour gêner, mais pas pour de bonnes raisons, un peu, mais pour de mauvaises causes. Voyez? Comme aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup se retrouvent dans des jeûnes, pourquoi? Pour envoyer le feu, ou bien pour vouloir, n'est-ce pas, la mort des gens, frères. Mais ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous anime. Voyez un peu? L'Esprit de Dieu ne peut pas t'amener à jeûner, n'est-ce pas, pour souhaiter la mort de quelqu'un. Non, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Donc, ces gens-là ont gêné, n'est-ce pas? C'était des personnes, n'est-ce pas, qui étaient remplies d'aigreur. Et c'était des gens aigris dans leur cœur, mais qui voulaient tuer Paul. Et ils étaient plus de 40. Verset 13, verset 14. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, voyez un peu, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Ah Seigneur, regardez de tels complots, de telles manigances. Verset 15. Voyez, vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Donc, ils sont en train de préparer un coup contre Paul. Verset 16. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse et informa Paul. Vous voyez? Voici encore, n'est-ce pas, Dieu qui se sert, n'est-ce pas, d'une voix humaine, n'est-ce pas, pour avertir Paul, n'est-ce pas, face à un danger que Paul courait. Donc, il peut y avoir des complots contre toi, il peut avoir de complots contre nous, il peut avoir de complots, n'est-ce pas, ben, contre n'importe qui. Voyez un peu, mais si Dieu ne nous avertit pas, mais comment est-ce qu'on peut en sortir? Ce serait très difficile pour nous. Voyez un peu. Et pour sortir, n'est-ce pas, d'un complot, n'est-ce pas, qu'on dresse contre nous, nous devons être capables de pouvoir discerner le langage du Seigneur, être sensible quand Dieu nous interpelle. Aujourd'hui, on est tellement perdu. Quand Dieu nous interpelle, frère, on est perdu parce que nous sommes tellement occupés. Notre esprit est saturé à beaucoup de choses. Nous sommes à la recherche de l'argent, quoique ce n'est pas mauvais. Nous sommes à la recherche, n'est-ce pas, du bien-être. Nous sommes à la recherche, n'est-ce pas, du manger, du boire. Nous voulons être adulés, être connus par les hommes. On est tellement préoccupés, n'est-ce pas, par plusieurs choses que le langage de Dieu, n'est-ce pas, on ne sait plus, n'est-ce pas, le discerner. Nous ne savons plus, n'est-ce pas, quand est-ce que Dieu nous parle, quand le Seigneur nous interpelle par rapport à un danger ou quoi que ce soit. Non, voyez un peu. Même parfois, Dieu parle par les hommes. Vous voyez, aujourd'hui, l'évangile est prêché et beaucoup écoutent la parole, mais très peu prennent conscience, n'est-ce pas, quand c'est la doctrine véritable du Seigneur, n'est-ce pas, qui vient. Pourquoi? Mais c'est parce que les gens sont tellement envoûtés par l'évangile où on leur enseigne le combat spirituel, où on leur enseigne qu'il faut tuer les gens. L'évangile où on dit qu'il faut boire le sel, il faut boire de l'eau. Vous voyez un peu? Il y a tellement de choses aujourd'hui, frère, que quand la parole du Seigneur arrive, beaucoup sont insensibles. Beaucoup ne sont plus respectifs. Beaucoup ne sont plus réceptifs. Vous voyez un peu? Beaucoup, vous voyez un peu, n'ont plus de cœur disposé. Et voilà comment, n'est-ce pas, beaucoup se retrouvent, n'est-ce pas, victimes
Et quand le pire arrive, les gens n'ont que leurs yeux, n'est-ce pas, pour pleurer. Alors que Dieu, n'est-ce pas, interpelle. Dieu parle. Voilà, la Bible nous dit que ce jeune homme, n'est-ce pas, voyez, qui était le fils de la sœur de Paul, n'est-ce pas, va prendre connaissance, n'est-ce pas, du complot, n'est-ce pas, qui s'est ligué contre Paul. Regardez au verset 17. Paul appela l'un de ses centeniers et dit, « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Voyez, le centenier prit le jeune homme avec lui et le conduisit vers le tribun et dit, « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Verset 19, le tribun prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Ça veut dire que même le tribun, si ce jeune homme-là, n'est-ce pas, ne venait pas l'interpeller, il allait participer, n'est-ce pas, à un coup qui était fomenté, qui était préparé contre un innocent. Donc, il allait avoir le sang de Paul entre ses mains parce qu'il allait, n'est-ce pas, être victime, n'est-ce pas, d'une manipulation, d'une manigance. Des Juifs qui étaient jaloux, des Juifs qui avaient la haine contre Paul. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous apprenons certaines choses, lorsque nous sommes au courant de certaines situations, n'est-ce pas, nous ne nous précipitons pas, n'est-ce pas, de donner notre main à la situation sans au préalable, n'est-ce pas, avoir pris la peine d'examiner. Parce qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui se sont retrouvés en train de participer au péché des gens. Beaucoup se sont retrouvés en train d'être, n'est-ce pas, complices, n'est-ce pas, de certaines choses dont ils n'avaient pas les tenants et les aboutissants. Il répondit, les Juifs sont convenus de te prier, vois un peu, d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui pour plus exactement. Verset 21, ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Vous voyez un peu, ils étaient prêts et ils n'attendaient, n'est-ce pas, que le consentement du tribun, un innocent qui ne connaissait rien, mais ils ont fomenté, n'est-ce pas, des accusations fausses contre Paul. Et Dieu a permis à ce qu'un enfant, n'est-ce pas, pendant qu'il préparait un plan, un coup, mais soit là pour écouter. Et ensuite, cet enfant-là est venu averti, n'est-ce pas, est venu, n'est-ce pas, interpeller Paul. Vous voyez? Donc, Paul a compris. Mais, et si Paul fermait son cœur face aux interpellations, n'est-ce pas, de ces garçons-là, mais ces Juifs-là allaient le tuer. Paul allait, n'est-ce pas, ils allaient précipiter sa mort. Donc, il n'allait pas achever la mission pour laquelle, n'est-ce pas, Yahweh, vous voyez un peu, la mission que le Seigneur l'avait confiée. Vous voyez? Donc, frère, il y a des gens qui en veulent à nos vies. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont en colère. Ben, contre nous, contre toi, vois un peu. Ben, tu ne leur as rien fait, mais ta présence les dérange. Ouais, d'autres, n'est-ce pas, sont jaloux. C'est des jaloux, c'est des aigris. Un peu comme Joseph et ses frères, qui étaient jaloux de Joseph. La Bible nous dit que quand Joseph venait vers eux, ils ont dit, voici le faiseur des songes, tuons-le. Donc, ils ont fomenté un plan contre Joseph, ils voulaient le tuer, vois un peu. Alors donc voilà pourquoi, frère, il est plus important, n'est-ce pas, dans ces temps de la fin, n'est-ce pas, que nous ayons une intimité avec le Seigneur, un peu, et demander au Seigneur, n'est-ce pas, de nous rendre sensibles à sa parole, sensibles quand le Seigneur nous parle, sensibles face aux interpellations du Seigneur, parce qu'on vit dans un monde, n'est-ce pas, de méchants, un monde, n'est-ce pas, qui est rempli de méchanceté, un monde où le diable, n'est-ce pas, met des pièges, n'est-ce pas, devant des gens, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, les amener, ouais, à chuter, les amener, n'est-ce pas, à pécher, les amener, n'est-ce pas, à passer à côté, n'est-ce pas, de leur destinée. Vous voyez, les assemblées, n'est-ce pas, sont parfois remplies des satanistes, vous voyez, des sorcières, des femmes qui sont mandatées, n'est-ce pas, par les esprits des eaux, qui rentrent dans les assemblées, mais avec un esprit, n'est-ce pas, d'hospitalité, prompt toujours à aider, ou des hommes aussi remplis aussi par des esprits méchants, prompt à soutenir, à aider, à encourager. C'est des personnes, n'est-ce pas, qui vont gagner les cœurs, la confiance de beaucoup de personnes. Mais un peu par des flatteries, par de la malice. La malice. Vous voyez? Alors, si on n'a pas une profonde intimité avec le Seigneur, ben, comment est-ce que nous allons échapper, n'est-ce pas, à de telles manipulations, à de telles ruses? Vous voyez un peu?
Parce qu'il y a des complots aussi, n'est-ce pas, qui se font dans des églises où les sorciers s'introduisent, s'infiltrent, voyez un peu, ils entrent, ils prennent place, voyez un peu, et ils s'efforcent, n'est-ce pas, à chercher à gagner la confiance des gens. Souvenez-vous, la Bible dit qu'avant qu'Absalom, n'est-ce pas, ne renverse David, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, n'est-ce pas, à gagner la confiance, n'est-ce pas, des habitants d'Israël. Il, voyez, quand les gens avaient un problème, n'est-ce pas, il s'efforçait, n'est-ce pas, à donner raison aux gens qui venaient vers lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. Il était animé, n'est-ce pas, par un esprit de jalousie. Il jalousait son père. Il convoitait, n'est-ce pas, la place de son père. Et la Bible dit qu'il a su gagner le cœur du peuple, ou un peu. Et le peuple, n'est-ce pas, inconsciemment, va l'aider à renverser, n'est-ce pas, David. Vous voyez, frère? Alors, donc, comment faire, n'est-ce pas, pour être sensible aux interpellations du Seigneur, n'est-ce pas? Ben, c'est simple. C'est tout simplement prier. Demandez au Seigneur, n'est-ce pas, de nous donner un cœur d'enfant. Vous savez, les enfants ne raisonnent pas beaucoup. Les enfants, n'est-ce pas, obéissent simplement. Voilà. Et Jésus va nous dire, n'est-ce pas, heureux serez-vous, n'est-ce pas, lorsque vous aurez des cœurs d'enfants. Car ce sont ces cœurs-là, n'est-ce pas, qui hériteront le royaume des cieux. Vous voyez un peu? Donc un cœur d'enfant, c'est un cœur qui obéit, qui ne raisonne pas. Quand Dieu te parle et quand, n'est-ce pas, tu as la conviction dans ton cœur que c'est Dieu qui te parle, même si tu ne comprends pas, obéis. Tu peux ne pas comprendre maintenant là, n'est-ce pas? Parce que nous sommes humains, nous sommes limités. Mais après, tu finiras par rendre grâce à Dieu, à ton Créateur. Mais si tu ne comprends pas et que tu n'obéis pas et que le pire arrive, mais tu vas regretter. Et c'est là où, n'est-ce pas, beaucoup se retrouvent découragés. Beaucoup se posent des questions, est-ce que Yahweh parle? Est-ce que Dieu parle? Oui, certainement Dieu te parle de cet homme, que ce n'est pas ton mari, mais tu insistes. Dieu te parle de cette femme, que ce n'est pas ta femme, mais toi tu insistes. Mais le fait d'insister, le fait d'insister autant pour moi, mes frères, le fait d'insister, mais tu t'endurcis le cœur, vois un peu? Tu endurcis ton cœur. Et tu t'éloignes de plus en plus de ton Créateur. Et si tu t'éloignes de ton Créateur, mais tu feras un mauvais choix de mari ou un mauvais choix, n'est-ce pas, de femme. Et ensuite, n'est-ce pas, tu auras un foyer catastrophique, un foyer, n'est-ce pas, qui sera rempli de combats, rempli, n'est-ce pas, de méchanceté, rempli, n'est-ce pas, de douleur. Un peu, où il va y avoir des bagarres, des incompréhensions tout le temps, et tu vas chercher le Seigneur. Seigneur, où étais-tu? Seigneur, où étais-tu? Non, mais ce n'est pas parce que c'est pas que le Seigneur ne t'a pas interpellé. Le Seigneur t'a parlé, mais comme dans ton cœur, n'est-ce pas, tu étais déjà engagé par des motivations charnelles. Tu étais déjà engagé, n'est-ce pas, par ce que tu croyais être bon pour toi, tu vois un peu. Et quand Dieu t'a parlé, n'est-ce pas, Dieu t'a interpellé par des songes, ou Dieu t'a interpellé, n'est-ce pas, par des voix des hommes, par des voix humaines, tu as endurci ton cœur et tu t'es engagé sur le chemin. Alors te voilà aujourd'hui en train de payer les conséquences de ce que tu vis aujourd'hui. Un peu. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, Dieu parle. Mais les hommes deviennent de plus en plus insensibles face aux interpellations du Seigneur. Alors ce soir, je vais prier avec toi qui m'écoutes aujourd'hui. Toi qui te poses beaucoup de questions, Seigneur, est-ce que tu me parles encore? Seigneur, si tu es vivant, pourquoi tu as permis à ce que je sois dans cette situation? Pourquoi tu ne m'as pas interpellé en amont? Oui, peut-être que Dieu t'a parlé. Oui, certainement Dieu a dû te parler. Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas saisi parce que tu étais insensible. Ton cœur était séduit. Alors maintenant, face au feu de l'épreuve, tu es découragé, tu es abattu. Tu es certainement en colère contre Dieu. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, repends-toi d'abord, demande pardon à Dieu. Parce que c'est mettre en colère contre Dieu, frère, c'est t'enfoncer davantage dans le mal, dans le péché. Parce qu'aucun homme ne pourra jamais avoir raison devant le Créateur du ciel et de la terre. Dieu aura toujours raison. La Bible nous dit, n'est-ce pas, aucun homme ne pourra dire à Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Jamais. Dieu, n'est-ce pas, tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Même lorsque nous ne comprenons rien, frère, Dieu agit toujours pour notre bien. Mais c'est nous qui avons, n'est-ce pas, une compréhension assez limitée. Alors commence d'abord à dire, Seigneur, je te demande pardon. Et ouvre ton cœur au Seigneur. Laisse le Seigneur rentrer dans ton cœur. Laisse le Seigneur, n'est-ce pas, guérir ton cœur. Accepte que tu as été insensible. Accepte que tu as endurci ton cœur. Accepte, n'est-ce pas, que tu as été rebelle. Et qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, tu es en train de payer les conséquences, n'est-ce pas, de ton mauvais choix. Un peu. Mais il n'est pas trop tard. Jésus-Christ est capable de renverser, de changer n'importe quelle situation. Un peu. Dieu a voulu que tu écoutes cet enseignement parce qu'il a quelque chose à te dire. Il a quelque chose, n'est-ce pas, à déposer dans ton cœur. Alors, ensemble, nous allons prier. Nous allons prier. Je vais prier, n'est-ce pas, toi qui m'écoutes. Si Dieu t'a interpellé par rapport à cet enseignement, si tu deviens insensible, si tu as du mal à écouter la voix de Dieu, c'est parce que ton cœur s'est endurci. Tu es insensible aux voix du Seigneur parce que tu es blessé, parce que tu es déçu ou tu es tellement attaché aux hommes
et qu'aujourd'hui tu as du mal à saisir quand Dieu te parle, alors tu vas fermer tes yeux pendant que je vais prier. Dieu va opérer un miracle dans ta vie ce soir. Adonai, je te bénis au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Ô Père, à des moments, nous avons placé, Père Céleste, les hommes au centre de notre vie. Et à chaque fois que nous avons été confrontés à des situations, nous nous sommes tournés vers les hommes et nous t'avons tourné le dos. Papa, nous te demandons pardon. Papa, je demande aussi pardon pour mon frère, pour ma soeur. En ce moment, qui a des yeux fermés, qui prie, qui soupire dans son cœur. Adonai, je prie, Seigneur, que tu donnes un esprit, n'est-ce pas, de paix, que tu combles, n'est-ce pas, ton peuple, va un peu, que tu les combles ton amour. Papa, rends le cœur de ton peuple sensible, donne la force à tes enfants, Père, de t'obéir, efface en nul toute forme de raisonnement au nom de Jésus-Christ dans les cœurs. Papa, nous prions, Père, qu'à chaque fois que le diable tentera de venir endurcir le cœur de tes enfants, Papa, face aux interpellations, face aux avertissements, que tu vas communiquer, que tu vas donner à tes enfants, que ces manigances soient voués à l'échec au nom de Jésus. Soyez fortifiés, soyez bénis. À dater de maintenant, à compter de maintenant, prenez la peine, à chaque fois que le Seigneur vous interpelle, au moyen de sa parole, ou par des songes, ou par des visions, apprenons à obéir. Et si nous ne comprenons pas le langage de Dieu, prenons la peine, n'est-ce pas, d'aller consulter le Seigneur dans l'intimité. Et le Seigneur qui est juste et bon finira par nous révéler, n'est-ce pas, son message, le fond de sa pensée. Sinon, n'est-ce pas, par son esprit, où il utilisera les hommes comme nous avons lu. Que Jésus-Christ vous bénisse, que la grâce et la paix de Yahweh soient sur vous et que l'amour du Seigneur abonde nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons shalom et à très bientôt. Soyez bénis. Amen.